السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وبعث منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أولا ينبغي لنا يا معشر السامعين أن أشكر الله عز وجل بما أنعم علينا من نعمه الكثيرة التي لا تحصى، ومنها أن نجتمع في مثل هذه الفرص لنتذكر شيئا مما ورد في كتابه عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. En premier lieu, il nous incombe de devoir remercier Allah عز وجل qui nous accorde des occasions comme celle-ci de nous réunir, même si c'est à distance, afin de pouvoir se rappeler des choses relatives à son livre, عز وجل, et de la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, qui sont parmi les ni'ma, les grands bienfaits, qui sont indénombrables. Naam. Donc là, après cette longue absence, je n'étais pas en mesure de pouvoir faire des durus, des séries de durus régulières à distance. On espère pouvoir le reprendre dès maintenant, bi'iznillah ta'ala. Si Allah nous le facilite, comme vous le savez, une connexion correcte, étant donné que je suis au Yémen et que je n'ai pas la 5G de France et toutes ces choses-là, ce qui fait qu'on pourra être amené à rencontrer des déboires dans la connexion, des coupures, des interruptions, ou les aléas. Quoi qu'il en soit, comme à mon habitude, le DERS est enregistré. Donc, toute personne qui aura des difficultés à l'entendre en direct pourra toujours le réécouter par la suite via la chaîne, et ils sont également mis sur YouTube. Inch'Allah ta'ala. Naam. Fa ikhtiyari muwajjah ila kitabin mubarak bi'iznillah ta'ala madmum hadha al-kitab wa bayan huquq azawjayn fi al-islam bi'unwan qurrat al-ayn bi bayan huquq azawjayn. Donc là, mon choix s'est tourné vers ce livre qui a pour thème d'aborder les droits des conjoints en islam dans le mariage, pour intituler la jouissance des yeux dans la clarification des droits des conjoints. C'est-à-dire que ce livre est là pour faire plaisir à l'un comme à l'autre, à l'époux comme à l'épouse, en lui évoquant les droits qu'il a, afin que le couple puisse évoluer dans le bien-être, dans le bonheur, et surtout dans la taqwa. Naam. Et le but en cela est, pour les nombreux témoignages qui nous parviennent, nombreuses plaintes et nombreux récits touchant la vie de couple de beaucoup, beaucoup, beaucoup de frères et de sœurs qui sont voués à des échecs ou à des défaites, ou à des déceptions, ou autres. Beaucoup de divorces qui pourraient être évités, beaucoup de disputes qui pourraient être évitées, beaucoup d'injustices qui pourraient être évitées. Et cela en se conformant à ce que Allah Azawajal nous a fixé comme limite, l'un pour l'autre, tant pour l'homme que pour la femme. Donc ce livre a été écrit par notre cheikh Jamil Seloui, qui est parmi les grands mashayikhs du Yémen. Il était celui qui remplaçait Cheikh Huna Yahya sur la chaise au début
lorsque ce dernier s'absentait pour maintes raisons. Et nous avons déjà entendu notre cher Yahya envoyer les gens lorsqu'il voulait des fatawa vers lui. Lui également vers Shira, à Zayd al-Wasabi. D'accord ? Ce sont des ulama et ils sont parmi les gens de la fatwa au Yémen. Il y en a d'autres, mais eux sont reconnus pour cela. Et ils restent malgré tout très discrets. Ce sont des ulama qui sont très discrets. Non. Donc on va commencer par la muqaddima de l'auteur. Yaqul Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salli wa sallim ala ashraf al-anbiya wa mursalin Muhammad ibn Abdullah al-Sadiq al-Amin wa ala ahli wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yawm al-din amma ba'du. Faqad 'azama al-hath 'ala az-zawaj iz annahu min sunan al-mursalin. قال الله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا مزورية. Donc il dit qu'on trouve un grand nombre de textes religieux qui incitent à se marier, car cela fait partie de la sunna des envoyés, dans le sens où Allah dit et nous avons certes envoyé des messagers avant toi et nous leur avons accordé des épouses ainsi que une descendance. Donc les messagers étaient connus pour des hommes mariés. Exception faite, li Isa ibn Maryam, sallallahu alayhi wa sallam. Exception faite pour Isa, qui n'a pas été cité comme s'étant marié. Et les autres prophètes, même si les textes ne le disent pas clairement, yatawatur an al-ulama anna kullahum tazawwaju. D'accord ? Que les autres prophètes, même si on n'a pas un texte clair qui le dit, il est répondu pour des savants que tous étaient mariés. Le seul qui ne l'a pas fait, et d'ailleurs qui ne l'a pas encore fait et qui le fera, Inch'Allah, c'est Issa ibn Maryam. Car il n'est pas encore mort, comme vous le savez, Allah l'a élevé auprès de lui. Donc les messagers avaient cette tradition de se marier. Non. Et d'ailleurs, notre père Adam, alayhi salam, a été créé par la main d'Allah Azzawajal, comme vous le savez, il était créé seul à partir de terre, sans père et sans mère. Malgré cela, Allah Azzawajal ne l'a pas laissé seul et a créé à partir de lui, de sa côte, sa femme, Hawa, pour qu'elle puisse vivre auprès de lui et lui apporter tranquillité, paisibilité, quiétude et bonheur. Donc la femme a été créée à partir de l'homme, comme vous le savez, de sa côte, et elle a été créée pour lui tenir compagnie. Donc, pour que les deux vivent ensemble, en harmonie, et qu'ils puissent, par la suite, multiplier leurs descendants sur terre. Comme nous l'avons dit dans Khutbat al-Hajja, au début, « Ya ayyuhan nasu taqoo rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a. » Ô vous qui avez cru, craignez Allah, celui qui vous a créé d'une seule âme, c'est-à-dire Adam, et qui a créé, à partir de laquelle il a créé son épouse, et de eux deux, c'est-à-dire Adam et Hawa, il fit venir une grande descendance sur terre, c'est-à-dire aujourd'hui nous les hommes. Donc cela est le fruit d'un accouplement entre un homme et une femme, ce qui est la norme chez les êtres humains. Kazalik, quand j'ai vu un hadith, que des hommes se sont rendus auprès de Aïcha, radiallahu anha, pour l'interroger au sujet du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quel était son niveau de ibadah à la maison. Et lorsqu'elle aura cité à quoi se consacrait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'un d'entre eux dit « Ana sa'asum wa l'uftir »« Qual al-akhar, ana sa'akum wa l'anam »« Wa qual al-akhar, ana la tazawaj nisa » L'un a dit « Moi je vais jeûner en continu, sans jamais rompre » L'autre, il a dit, moi, je vais veiller toute la nuit sans dormir. Et l'autre, il a dit, moi, je vais délaisser les femmes. Car ils se sont dit, si le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, fait tout ce qu'il fait, qui sommes-nous à côté de lui? Donc, nous devons faire plus que lui encore. Et de là, le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, fut informé de leur parole. Il a dit, Al antum alazina taquluna kaza wa kaza wa kaza, qalu na'am. Qala fa inni asum wa uftir, wa akum wa anam, wa tazawaj an-nisa. ومن رغب عن سنتي
Falaysa minni. Il a dit moi. Avant ça, il a dit anatqakum billah. Je suis celui qui craint le plus Allah parmi vous. Et pourtant, je jeûne et je romps. Je veille la nuit et je dors. Et j'épouse les femmes. J'épouse les femmes. Celui qui délaisse ma sunna ne fait pas partie de moi. Taïeb. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et comme d'autres adillés vont venir, a incité à se marier. Et que cela fait partie de sa sunna, de se marier. Yaqul al-musannif al-amr bizawaj. Maintenant, il dit l'ordre du mariage. Le mariage. Awalan, on voit que les nombreux textes qui parlent de mariage en islam viennent à la forme impérative. Al-amr. Donc, de là, peut-être qu'il vient à l'esprit que le zawaj est une chose qui est obligatoire. Hatta naqul anna ba'd al-ulama dhahabu li dhalik. Certains ulama ont vu cela, que le mariage, la base dans le mariage, c'est al-wujub, l'obligation. Et en réalité, cet avis-là n'est pas le plus fort. Wilaf azawaj yadur, hein, yadur ala al-ahkam al-khamsa. Le mariage, lui, se base sur les cinq règles de législation en religion. Yani, le mariage, la base dans le mariage, c'est qu'il est mustahab, qu'il est recommandé. Car les adillah viennent sous forme impérative, mais qui n'est pas une chose imposée, sous peine d'endosser un péché. Mais vu qu'à chaque fois que le mariage est cité, cela est venu sous forme d'ordre, et qui n'est pas en obligation, donc cela veut dire qu'il est recommandé, fortement recommandé. وإلا فقد يكون الزواج واجبا والأصل أنه مستحب وكذلك مباح وقد يكون مكروها وقد يكون محرما. Donc ce mariage peut être obligatoire dans le cas où des gens sont sur le point de tomber dans la fornication et autres et ont le moyen de se marier, eux il aurait obligatoire de se marier. D'accord ? Ils sont moyens de se marier. Ils ont la santé, tout ce qu'il faut, et ils sont sur le point de commettre l'interdit. Tant la tentation est forte sur eux, eux, le mariage leur est obligatoire. Sinon, on a en dessous un mustahab, recommandé, et c'est la base, avec tous les adillahs qui vont être cités. Après, on a permis une personne qui n'a pas forcément d'envie particulière au mariage, qu'on a les moyens, mais qui aurait peut-être d'autres occupations à fournir, qui pourraient être peut-être plus mufida pour la Ummah. D'accord ? On pourra dire que lui, ça lui est permis. Mais là-bas, ça reste recommandé. Il y a des gens pour qui c'est détestable. D'accord ? Comme par exemple des gens qui n'auraient pas forcément les moyens, qui ne seraient pas en mesure de pouvoir assumer comme il se doit le mariage. Et il y a celui qui interdit pour celui ou celle qui n'est pas du tout en mesure de pouvoir assumer ce mariage. Soit par faute pour la santé, il n'a pas la santé, il est malade, il est inapte à s'occuper d'une femme ou une femme à s'occuper d'un homme, il est par exemple, il est mamsous, il est majnoun, d'accord ? Ou c'est quelqu'un qui est trop violent, masalan, donc on ne peut pas le marier avec une femme, c'est pas possible. Ou alors, c'est une personne mauvaise, et ainsi de suite, différentes caractéristiques qui font que cette personne-là, on ne peut pas la marier. Non. Walakin al-asl annahu mustahab. Là-bas, c'est qu'il est recommandé. Yaqul Allah Azza wa Jal, وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. Et épousez, c'est-à-dire vos esclaves, ou plutôt les célibataires parmi vous, ainsi que les esclaves pieux, ainsi que les servantes pieuses. Et si jamais ils sont pauvres, Allah les enrichira de sa grâce. Et Allah est large et omniscient. Wa yaqul al-mu'allif fiha anna az-zawaj min asbab al-ghina. Donc ce verset démontre que se marier est parmi les causes de richesse. Car dans le verset, Allah dit in yakunu fuqara yughnihim Allah min fadlihi. Si jamais ils sont pauvres, Allah les enrichira. Donc si la personne a le minimum requis pour se marier, au début, comme le mahr et autres,
qu'ils ne se disent pas, je n'ai pas de quoi acheter par la suite telle et telle chose. On dit, marie-toi, fais les premiers pas, et le reste viendra, biznillah ta'ala. Le reste viendra. Et cela est meilleur pour toi que de tomber dans l'interdit. Sans aucun doute. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطيع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. Il a dit le Nabi صلى الله عليه وسلم, ô vous les jeunes, celui d'entre vous qui en a la capacité, et là c'est financière, alors qu'il se marie, car cela est plus protecteur pour son regard ainsi que pour son sexe, et celui qui ne peut pas alors qu'il jeûne, car cela est une protection. Muttafaqun alayhi. An Abdillah ibn Mas'ud. Donc là, dans le terme en arabe, il dit Man istata'a minkum al-ba'a. Al-ba'a, c'est l'entre vous qui peut le ba'a. Moi, j'ai traduit par la capacité financière. Et il y a un khilaf entre les ulama, entre certains qui disent la capacité financière, et d'autres qui disent la capacité physique, c'est-à-dire de pouvoir avoir des rapports intimes alors qu'ils se marient. Mais il est évident que ce qui est voulu par là, c'est les moyens financiers. Pourquoi ? Car si jamais c'était juste la simple capacité c'est-à-dire c'est celui qui n'avait pas la capacité de pouvoir avoir des rapports intimes, pourquoi est-ce qu'il jeûnerait ? Ce qui de base ne peut pas avoir de rapport. D'accord ? Parce que le jeûne, il est venu pourquoi ? Pour minimiser les envies et les pulsions. Donc celui qui n'est pas en mesure d'avoir des rapports avec une femme, ou une femme qui n'est pas en mesure d'avoir des rapports avec un homme, qu'aurait été l'intérêt de lui dire de jeûner, et qu'à la base, elle ne peut pas. Donc en réalité, al-ba'a, là dans le hadith, c'est les moyens. D'accord ? Les moyens de pouvoir entreprendre un mariage. Et de façon, bien sûr, raisonnable. Non pas comme les gens se l'imaginent, un mariage, pour eux, il faut avoir je ne sais combien d'économies, avoir telle chose qui est prête, avoir le cortège, avoir la voiture de location, être décapotable, avoir le grand buffet. Non, c'est pas ça qui est demandé. Ce qui est demandé, d'avoir le mahr pour la femme et d'avoir de quoi lui donner un abri. Quand bien même elle vient chez tes parents, si tu n'as pas de toit et qu'elle veut se marier, d'accord, elle veut se préserver, et toi aussi vous êtes d'accord, vivre chez les parents est une chose qui est permise. Elle a un toit avec lequel elle peut, un lieu où elle peut se trouver avec toi, jusqu'à ce que Allah te facilite un domicile qui te soit propre avec elle. D'accord. Donc bien comprendre les choses que le mariage demande, car aujourd'hui les gens se compliquent l'existence, d'accord, et on arrive même à tomber dans l'interdit pour se surcharger ce que Allah Azza wa Jalla ne leur a pas imposé. Le mariage en islam, alhamdoulilah, c'est une chose qui est très simple à faire. Très très simple à faire. À titre d'exemple, vous allez voir les gens, pour se marier, courir à travers la France pour trouver un imam pour faire le aqd. Où est-ce que cela, dans la sunna, est cité qu'il faille un imam ? Cela n'existe pas. C'est le wali qui marie la femme qui a sa charge. Le wali lui-même. D'accord ? C'est le wali, il faut le prétendant, il faut le mahr, et il faut l'accord de la martouba, celle à qui on a demandé la main, et il faut des témoins. D'accord ? À partir de là, le mariage peut se faire n'importe où, dans la voiture, dans l'ascenseur, dans l'escalier, par téléphone, dans le métro, dans l'avion, sur le bateau, sur une moto, où tu veux. À partir du moment où il y a l'échange qui se fait clairement entre le wali et le prétendant, voilà, il fait khubbat al-haja. Ce qu'on a fait au début du livre, in alhamdulillah, nahmadu, nasta'inu, nastaghfiru, li akhirih. Et ça, c'est même pas obligatoire, c'est une sunna. Et de là, le wali dit, zawajtuka bi binti. Je te marie à ma fille, Fulan. Et le prétendant dit, qabiltu, j'accepte. C'est tout. Ça dure 15 secondes. Ils sont mariés devant Allah Azawajal. D'accord ? Et les gens, pourtant, tu les vois se surcharger, faire un tas de projets, un tas de choses, alors qu'en réalité, c'est très simple. D'accord ? Il y en a, ils vont jusqu'à, comme je vous dis, chercher un imam pour les marier. Ils n'en trouvent pas, parce que maintenant, il y a des lois en France qui interdisent à ce que les imams le fassent, sous peine d'avoir une amende. On dit, mais tu n'as pas besoin d'imam pour le faire. L'imam, à la base, ne sert à rien. Maintenant, si tu veux qu'une tierce personne parle à ta place, tu as le droit.
Mais ne t'imagine pas que c'est une condition pour le mariage, que sans ça, tu ne peux pas marier ta fille ou ta sœur ou la femme qui est à ta charge. Non. Ça, c'est un takalluf. C'est une surcharge. D'accord ? C'est une surcharge. Après, des fois, tu as des sœurs, elles n'ont pas de wali sur les choses. Ça, c'est notre mas'Allah. Mais aujourd'hui, tu verras quasiment la plupart des musulmans cherchent toujours un imam pour pouvoir les marier. Et ça, c'est un tachabou également pour les koufars, qui, eux, chez les Nasara ou les Yahoud, qui vont voir un rabbin ou un prêtre. Nous, en islam, ce n'est pas comme ça. Donc, il faut bien retenir cela. Que les gens sortent de leur tête que cet imam est une chose qui est une condition pour le mariage ou une obligation. Non, ça ne l'est pas. Il reste minimum permis dans un besoin. Et quand on dit imam, c'est n'importe quelle personne. C'est même pas un imam de masjid. Hein. Toute personne qui est en mesure de faire la khutbat al-hajjah et de représenter, de parler au nom du wali. C'est tout. Ça peut même être le boulanger d'à côté, le boucher d'à côté, le chauffeur. C'est n'importe qui parle à la place du wali. S'il n'ose pas parler, il n'a pas l'arabe ou il est gêné. C'est même un imam de masjid n'est pas une chose requise pour le mariage. Sachez-le. Non. Donc ça, c'est un exemple également des choses que, dans lesquelles on trouve le takalluf chez les gens pour se marier. Thumma, donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit que ce mariage est une chose qui vient pour préserver le regard, car le regard, on doit le baisser, homme comme la femme, car le regard est le début de toutes les shahawat, car tout acte illicite entre les deux sexes commence toujours par un regard. Un regard, un sourire, une parole, un échange, un toucher, et après ça finit, comme vous le savez, dans les déboires. Ça commence par le regard. « Wa kulli mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum » et dit aux croyants qu'ils baissent leur regard et qu'ils préservent leur sexe, et cela est meilleur pour eux. « Wa kulli mu'minat yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum » et dit aux croyantes qu'elles baissent leur regard et qu'elles préservent également la partie intime. Donc baisser le regard est une obligation, car tout commence par là. Donc celui qui est marié, cela va le renforcer à baisser le regard. Et il y a également le siyam, le jeûne qui aide à minimiser les shahawat, les envies. Là, on m'a fait partager une faïda que j'aimerais vous lire, qui est très intéressante, qui est en rapport avec le sujet. Car souvent, les gens ils disent, mais ça l'aime quand on voit les gens mustaqimin de l'istiqama, les femmes et les hommes ne se mélangent pas en islam, vous le savez. Les hommes et les femmes en islam ne parlent pas entre étrangers, sont dans les cas de besoin, selon les limites de la religion. On ne se mélange pas, on ne se parle pas. Il n'y a pas de contact, il n'y a pas de correspondance, il n'y a pas ce genre de choses, de base. On ne se touche pas, il n'y a pas le serrage de main et encore moins de bise, rien de tout cela. D'accord ? Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, لن يدخل رجل الإبرة والمخيط في رأسه خير له وأهون عليه أن يمس امرأة لا تحله. Que l'un d'entre vous se rentre une épingle de fer dans la tête, cela lui est moins nocif que de toucher une femme qui lui est illicite. Et j'ai fait un ders il n'y a pas longtemps sur les femmes qui sont illicites, celles avec qui on peut se marier. D'accord ? Et celle-là qui ne peut pas se marier, et dedans j'ai évoqué certaines de ces règles. Donc on voit que les gens de l'istiqama, de la droiture, évitent cela à fond. Et tu vois les autres qui sont plus laxistes, ou même les pervers ou quoi, les critiquer pour cela en disant « mais vous êtes des animaux, tu ne peux pas toucher une femme sans avoir des pulsions, ou tu ne peux pas regarder un homme sans… vous n'avez pas de retenue ». Il y en a qui vont dire « moi je peux toucher une femme, ça ne me fait rien, je peux parler avec elle, ça ne me fait rien, je peux rigoler avec elle, ça ne me fait rien, je me contrôle, je me maîtrise ». Tu vois ? Et ça… Quand quelqu'un te dit cette chose-là, c'est qu'il a un problème, c'est-à-dire qu'il est sorti de sa nature d'homme ou de femme qui fasse que son cœur a tellement été imprégné du haram qu'il ne ressent plus les choses. Donc là, on va lire un kalem de Al-Qurtubi dans son tafsir, comme on voyait il y a peu, et qui est « Munasib li hada al-maqam ». Il y a qu'il « In kul man kana atqa fa shahwatuhu ashad »« Lianna alladhi la yakun taqiyan fa innama yatafarraj bil nazar wal mas » ألا ترى ما روي في الخبر العينان تزنيان واليدان تزنيان فإذا كان في النظر والمس نوع من قضاء الشهوة قال الجماع والمتقي لا ينظر ولا يمس فيكون الشهوة مجتمعة في نفسه ويكون أكثر جماعا وقال أبو بكر الوراق كل شهوة تكسي القلب إلى الجماع فإنه يصفي القلب. Il dit, le Qurtubi, que plus la personne sera craintive, c'est-à-dire des limites d'Allah Azza wa Jal, et plus ses shahawat seront fortes, plus ses désirs seront forts. Pourquoi ? Car celui qui n'est pas craintif, qui n'est pas pieux, lui, il va s'assouvir
par le regard et par le contact. Et il cita le hadith qui dit que les yeux forniquent et que les mains forniquent. De quelle manière ? Les yeux forniquent par le regard. Les mains forniquent par le toucher. Et ainsi de suite pour les organes. Donc il dit, celui qui est habitué à regarder des femmes, à toucher des femmes, ou le contraire, des femmes sont habituées à regarder des hommes, ou à toucher des hommes, et ainsi de suite, il dit, ben, eux, ils ont déjà assouvi une partie de leur désir. Donc ce qui fait que le désir de base, il est moins fort que celui qui s'en prive totalement, car lui se contient. Donc forcément, il aura une envie plus forte que les autres. D'accord ? Car c'est la base chez l'homme et chez la femme. On a été créé pour s'accoupler, comme on l'a dit au début, comme ce fut le cas de notre père Adam avec Hawa. L'homme est de nature attiré par la femme et la femme est de nature attirée par l'homme. C'est inévitable, c'est ça l'être humain. On n'a pas été créé pour être des amis ou être des collègues ou des camarades ou des associés ou je ne sais quoi. L'homme et la femme ont été créés pour s'accoupler. Sans quoi, ce sont des relations familiales ou autres qui mettent des interdits dans le mariage. D'accord ? Sans quoi l'homme et la femme sont faits pour s'accoupler. Donc, ils sont attirés par l'autre. Donc, la religion est venue pour fermer les portes, non pas pour t'empêcher de t'accoupler, mais pour t'empêcher de t'accoupler dans ce qui n'est pas permis. Sans quoi les textes qu'on a lus au préalable t'incitent à t'accoupler dans le halal, fortement. Fortement. Vous voyez ? Donc, c'est eux qui sont habitués à toucher des femmes, à voir des femmes, à parler avec des femmes. Oui, ça ne leur fait plus rien. Ils sont beaucoup moins sensibles. Et il y a une ibara qui dit « Kathrat al-massas » Yuzil al-Hassas, c'est-à-dire l'excès d'une pratique, on enlève al-Hassas, c'est la sensibilité, c'est-à-dire plus tu fais une chose et moins tu la ressens. Plus tu fais une chose et moins tu la ressens. D'accord ? Donc plus tu vas être habitué à voir des femmes et moins tu ressentiras l'attirance par elles par rapport à ce qu'ils ne la regardent pas. Plus tu vas toucher une femme, et moins ça te fera quelque chose, au fur et à mesure. C'est comme vous voyez, je ne sais pas moi, par exemple, un forgeron, hein, qui est habitué à toucher le fer chaud, et bien il sera moins sensible à la chaleur qu'une autre personne. Pourquoi ? Parce qu'il est habitué tous les jours à battre le fer chaud, donc ses mains sont dures, il a de la corde, ça ne brûle pas comme les autres. Alors que toi, tu vas toucher à peine, hop, tu vas crier. Et bien lui, non, ça ne lui fait rien, parce qu'il est habitué. D'accord ? Il est habitué. Hein, ou les cuisiniers qui portent les plats chauds, ou les déménageurs qui portent des charges lourdes. Eh bien, ils sont habitués, ça ne leur fait plus rien par rapport à une personne qui n'est pas habituée à ça. Et eh bien, pour le rapport entre les hommes et la femme, c'est similaire. Plus tu auras de rapport avec les femmes, et moins elles te feront des effets. Bien qu'il y a des gens, malgré tout, ça leur fait effet fort, mais ce ne sera pas l'effet de base de la nature de l'homme ou celui de la femme. Non. Et il rapporte une parole d'un homme qui s'appelle Abu Bakr al-Warraq, que je ne connais pas. Il dit « Kulu shahawat tuqsi al-qalb ila al-jima'. » Il dit que tous les désirs, les shahawat, sont des choses qui endurcissent le cœur. Manger, boire, trop dormir, trop rigoler, trop de dunya, trop de confort, et ainsi de suite, sont des choses qui endurcissent le cœur. Il a dit, sauf le jima, sauf les rapports intimes. Les rapports intimes, ça purifie le cœur. Et c'est pour ça que les prophètes le faisaient. Vous savez que le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, lui arrivait de tourner une nuit entière sur toutes ses femmes. Vous savez que Souleyman, alayhi sallam, avait fait le vœu de tourner sur toutes ses femmes en une nuit. Il en avait une centaine. D'accord ? Ça, c'est des prophètes, pourtant. On sait que les gens avec des idées mal placées vont critiquer pour cela. On dit non, ce sont des hommes, des vrais hommes, d'accord, avec leur désir et avec leur force. Et bien, donc, il est normal qu'un homme ait des envies, il est normal qu'une femme ait des envies. Et on ne te dit pas de te priver de tes envies, on te dit juste de les assouvir dans le halal. C'est tout, à bon escient, et après, une fois que vous êtes marié, le couple, alhamdoulilah, ça donne à ce genre de rapport comme on lui semble dans le halal. Naam. Et c'est là que vous voyez que les gens qui placent cette nature hors contexte ou se privent de ce qu'Allah leur a rendu inné en eux, ils tombent dans les marginalités. Mathalen, regardez les prêtres et les bonnes sœurs, Mathalen, qui ont fait vœu d'abstinence. Et bien, comme ils sont privés d'une chose qu'Allah leur a mis en eux instinctivement, qui est l'attirance et le fait de devoir assouvir ses désirs, ses envies, et bien, ils en tombent dans ce désir. Ils ne l'ont pas tué, ils ont toujours le désir. Dans quoi ils l'assouvissent ? Dans ce qui est pire que la base. C'est pour ça qu'on entend plein d'histoires de prêtres pédophiles. Alors que le christianisme n'appelle pas à cela. Mais eux, comme ils sont inventés un jugement qui n'est pas qui n'est même pas humain, de s'interdire le mariage, d'accord, pour se vouer à Dieu, comme ils le disent, résultat, ils tombent dans ce qui est pire encore par la suite. Et les bonnes sœurs dans les couvents, c'est pareil. Si vous écoutez les histoires qu'il y a dans les couvents, c'est des choses qui sont incroyables. Parce que ce sont des femmes qui sont interdites les rapports avec les hommes, alors qu'à la base, Allah l'a créé
génétiquement parlant et moralement parlant et physiquement parlant pour s'accoupler avec des hommes. Dans le halal, attention, on est bien dans le halal. Donc comme ils sont placés cette chose-là, ils sont interdits, alors elle a débordé, d'accord ? Ça a débordé. C'est comme quelqu'un, là, je ne sais pas, tu as la pluie qui tombe du ciel et tu as un nid de fleuve. Tu dis non, le fleuve, je ne veux pas qu'il se remplisse. Tu n'empêcheras pas la pluie de tomber. Qu'est-ce qui va se passer ? Il y aura des crues. L'eau va tomber à côté et il y aura des dégâts collatéraux. Mais l'eau va tomber. Le nid du fleuve ne va peut-être pas se remplir, mais l'eau va aller sur les côtés, sur les champs, sur les maisons, sur partout. Tu n'empêcheras pas l'eau de couler. Donc, elle va aller hors de son écoulement, de son sail, comme on dit en arabe, de son wadi, de son nid, comme on dit, son lit plutôt, c'est son lit, hein, on dit le lit d'un fleuve, n'arabe. Résultat, il y aura des dégâts collatéraux. Et bien, c'est pareil pour l'homme et la femme. D'accord ? C'est la même chose. N'arabe. Et il y a un athar de Sa'id ibn Jubayr. Ibn Abbas dit qu'il lui a dit « Hal tazawwajta qultu la » Ibn Abbas dit que Sa'd ibn Jubayr lui a dit, est-ce que tu t'es marié? Ibn Abbas il a dit non. Il lui a dit, alors marie-toi, car le meilleur de cette communauté est celui qui avait le plus de femmes. Et ils allusion à qui? Au Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ne pas confondre, interpréter ce athar de façon, on va dire, autre. Des gens pensent que ce athar veut dire que plus tu as de femmes, mieux tu es. On ne dit pas forcément. Là, le Athar, il est khos au Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi ses particularités, il est celui qui avait le plus de femmes dans sa Ummah. Il avait droit à plus que 4 femmes. Donc, il a incité en disant, regarde, le meilleur, il est celui qui a le plus de femmes. Donc, toi, comment tu restes célibataire? D'accord? Le célibat est une chose qui, islamiquement parlant, n'a pas de osl. C'est un calab de l'imam Ahmed. D'accord? Le célibat est une chose qui existe, mais l'islam n'appelle pas au célibat. Au contraire, on doit se marier, s'accoupler et avoir une grande descendance et augmenter la Ummah. Taïeb, il fut rapporté d'Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, anhu qal, lo lam yabqa min ad-dahr illa layla, la ahbabtu an yakuna li fi tilka layla imra'a. Il a dit, si Yamin devait rester qu'une vie, une nuit à vivre, j'aimerais passer cette nuit-là avec une femme. C'est Ibn Mas'ud qui dit ça. Les gens vont dire quoi, c'est un pervers, c'est je ne sais quoi, a'ouz billah, jamais de la vie, c'est l'un des meilleurs des compagnons, mais c'est un homme. Un homme, sur sa nature saine, il te dit que s'il avait une dernière nuit à passer, il la passera avec une femme. Pas avec de l'argent, pas avec un ballon de foot, pas avec une console de jeu, pas avec de l'alcool, ou non, avec une femme. Car c'est la chose que l'homme préfère en ce bas monde comme matar, comme jouissance. C'est la femme. Et la femme, pareil, c'est l'homme. Vous voyez, c'est ça la réalité. Il même fut rapporté de certains salafs qui disaient, tu pourras me laisser avec une grande somme d'argent, tu verras que je ne la toucherai pas. Tu me laisseras avec une esclave, jeune esclave même, noire, dans le ensemble, c'est venu comme ça, je ne serai pas à l'abri de ne pas avoir des manquements. C'est-à-dire de pouvoir tomber dans le haram. Regardez, car c'est ça la nature d'un homme. Mais aujourd'hui, on te dit, moi, ça ne fait plus rien, je me contrôle, alhamdoulilah, vous êtes des animaux. On n'est pas des animaux. Tu vois, nous sommes des hommes et des femmes sur une nature saine qui est le plus proche de l'instinct. Cependant, nous, on craint Allah Azzawajal, on espère et qu'on contrôle cela. Justement, notre contrôle est là où ? C'est qu'on ne regarde pas, on ne touche pas, on ne parle pas. L'animal, celui qui a les plus grandes caractéristiques, c'est toi. Tu n'arrives pas à te contrôler. On te dit de ne pas serrer une femme, la main d'une femme. Tu n'arrives pas à dire non. C'est toi qui n'as pas de contrôle. Moi, je dis non. Et la sœur dit non, moi, je ne veux pas. Qui c'est qui n'arrive pas à se contrôler ? C'est toi. Donc le problème, il est chez qui ? Il est chez toi. Il n'est pas chez les gens de l'Istiqama. Tu vois ? Le Moustakim, il arrive à dire non. Et s'il sait qu'il n'arrivera pas à dire non, il évitera de se retrouver dans une situation où il n'aura pas à dire non. Il ne sera même pas là où il ne faut pas être. Il coupera là-bas la racine, comme on dit. Et pareil pour les femmes. Elles éviteront. D'où le fait qu'elles se voilent, d'où le fait qu'elles ne sont pas complaisantes dans le parler, et toutes les choses qui ferment les portes pour ne pas causer d'attirance qui amènerait à des choses regrettables par la suite. Non, et ce n'est pas pour nous faire du mal, c'est pour nous faire du bien, pour nous protéger, justement. C'est pour nous protéger tout cela. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai arrêté là, Inch'Allah. Il y avait encore une partie dans le Mouqad Dima que j'avais voulu citer, mais elle risque de tarder un peu. Et je sais que le DERS, j'utilise pour la connexion un logiciel qui, lorsque je tarde trop, commence à bugger. Et peut-être que c'est déjà le cas pour vous, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Et la connexion commence à s'affaiblir. Donc je préfère m'arrêter là. D'accord ? Vous savez, moi, généralement, de l'eau, ce ne sont pas longs. Comme ça, les gens arrivent mieux à retenir. Biznillah ta'ala. Donc je vais m'arrêter là. Et demain, on prendra la suite de la Mouqad Dima. En espérant que cela aura été assez profitable pour nous tous. Et ça rappelle pour nous tous, moi le premier. Fanak tafi bi hadha al-qadr. فسبحانك وبحمدك
لا إله أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.